Le flux de migrants clandestins s'accélère avec l'été sur l'île de Lampedusa en Italie. Cette semaine, plus de 700 seraient arrivés en moins de 24 heures. Sur ces images, 69 migrants interceptés en mer et débarqués sur le port de Lampedusa dans la nuit de jeudi à vendredi. Cet afflux s'explique par un temps estival plus clément et il intervient 15 jours après une visite du pape François sur l'île. Il avait dénoncé l'indifférence du monde face au sort des clandestins. Lundi, les gardes-côtes italiens auraient secouru plus de 350 migrants originaires d'Égypte et d'Érythrée. Ce groupe de 95 migrants, dont 15 femmes, a été secouru à 100 000 nautiques de Lampedusa. D'après l'ONU, il serait 8 000 à avoir débarqué sur les côtes du sud de l'Italie au premier semestre 2013, la majorité en provenance d'Afrique du Nord.